À 16 ans, on ne réalise pas vraiment ce que c'est d'être propriétaire en soi. Après, c'est vrai que ça change parce qu'on sait que voilà, c'est un bien que nos parents sont censés nous léguer plus tard, normalement, sachant qu'en étant en location, ce n'est pas réellement chez nous. Donc, on paye ou nos parents payent un loyer, mais c'est vrai que s'il se passe quelque chose à terme, on ne peut pas rester au final dans l'appartement. Donc, avoir une maison en soi, c'est vrai que ça change quand même pour plus tard. Donc, c'est un héritage que nos parents peuvent nous laisser quand on sera plus grand. Oui, bah, le principal changement pour moi, c'était surtout au niveau de l'espace en lui-même. Parce qu'étant en location, on ne pouvait pas choisir notre propre décoration, aménager les meubles de la manière dont on le souhaitait. Donc, arrivé dans une maison pierre, l'espace était plus grand. J'ai pu choisir voilà, ma chambre, la peinture que je voulais mettre sur les murs, avec un jardin, vu que, bah, en location, on n'a pas de jardin ni de terrasse. Donc, c'est un plaisir qu'on peut avoir en étant dans une maison comparé à un appartement. Il y a beaucoup de concurrence hein, dans l'immobilier, il y a beaucoup de constructeurs, mais surtout, il faut savoir bien choisir son constructeur. Donc, je pense que chez Maison Pierre, niveau rapport qualité-prix, pour moi, c'est les meilleurs. Après, voilà, ça reste mon avis, mais c'est vrai que si on est leader quand même en Île-de-France, c'est pas pour rien. C'est vrai que on peut avoir, il y a plusieurs gammes de maisons hein, chez Maison Pierre. Donc, il y a des gammes qui sont un petit peu moins chères, et des gammes un peu plus chères, donc comme la gamme confort. Et c'est vrai que les matériaux, peu importe le prix de votre maison, restent les mêmes. Donc, sachant que voilà, chez certains constructeurs, parfois les maisons peuvent être un petit peu moins chères, mais il faut regarder vraiment au niveau de la qualité des matériaux. Et c'est là qu'on peut voir la différence vraiment entre une maison pierre, qui voilà, va rester en bon état pendant 10-15 ans, et peut-être une maison d'un autre constructeur, qui peut se dégrader, en fonction des conditions météorologiques ou autres.